Jeudi dernier, Daphné Burki annonçait la fin de son émission Bonjour la France qu'elle présentait quotidiennement sur Europe 1. Un arrêt brutal qu'elle confesse avoir un peu de mal à comprendre. Bonjour la France avait fait sa rentrée sur Europe 1 en 2017. C'est d'ailleurs en compagnie de ses chroniqueurs Bertrand Chameroy et Loïc Prigeon que Daphné Burki accompagnait une bonne partie des Français chaque matin dès 10h jusqu'à l'heure du déjeuner. Mais malgré de bonnes audiences et un public conquis, la direction a finalement préféré couper court à l'émission. C'est sur Twitter que l'animatrice avait fait part dès les 31 mai dernier, malgré des résultats d'audience extrêmement prometteurs tout au long de la saison. L'émission Bonjour la France que l'on avait imaginée avec l'ancienne équipe dirigeante d'Europe 1 ne sera pas reconduite à la rentrée. On aurait pu envisager une autre case, mais ce n'était pas compatible avec mes engagements en télévision. Ce mercredi 6 juin, Daphné Burke était invitée dans l'émission C'est à vous. Alors que Anne-Elisabeth Lemoine évoquait je t'aime, etc., à la rentrée prochaine, la présentatrice a dévié sur le sujet moins agréable de l'arrêt de Bonjour la France. L'occasion pour de s'exprimer pour la première fois. Si Daphné Burki a décidé de le prendre avec le sourire, elle n'a toutefois pas caché son incompréhension. On a fait une saison de dingue avec des chiffres très positifs pour nous. La dernière vague d'audience NDLR était folle. Daphné Burki a également fait part de son inquiétude pour l'avenir de Repin. Je suis triste qu'on les habitue à des gens qui disent bonjour au revoir alors que la fidélité, c'est chouette. Aussi, ça peut être bien, est-ce que c'est du gâchis Certainement, je ne suis pas sûr que ce soit dû au vis